dites-moi, ça fait un moment qu'on n'a pas été checker des vidéos pour comment bien affronter des situations gênantes. C'est un crime, il faut que je le fasse. On va encore avoir le droit à des situations totalement extrêmes qui n'arriveront jamais dans votre vie. Je peux mettre ma main coupée, c'est sûr. Petit aparté, on part sur un style du dimanche. Je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis toute seule ici. Hein. Y a quelqu'un? Non, bon alors. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. Nouveau décor. Non, juste quelques petites modifications. Excusez-moi, j'avais besoin de... Flower Power. Ouais, je sais pas, j'avais envie de fleurs, j'ai des miroirs plutôt stylés. J'ai acheté tout ça sur La Redoute, vous avez moins 50% avec le code DOOMS. Ceci est absolument faux, tout le monde s'en bat les couilles de ma gueule. Donc voilà, maintenant c'est DOOMS Flower Power. Concentrons-nous, c'est parti. Alors, oh, à l'école. Oh, ah, triste vie. 12h. T'as fait tomber tes livres? Ok. Hyperventilation. D'accord, tu fais tomber tes livres, mais à un moment donné, mec... Ceci est totalement impossible. Personne fait tomber ses livres comme ça, on est d'accord. Transforme la pile en œuvre d'art. C'est... quoi? Voici l'installation artistique, le désastre des bouquins. Waouh! Ce chef-d'œuvre contemporain parle de lui-même. Ok, et on va passer à autre chose parce que ça, c'est sûr et certain que ça ne nous arrivera jamais. Tu peux pas. Et où est-ce que tu peux trouver les petits piliers comme ça? Tu peux pas les sortir de ton fessier, c'est en fait, c'est impossible. Bref, on va passer, sérieux, ça va m'énerver. Alors. Les collants sont déchirés. Ah, non, ça arrive, c'est gênant, on peut le dire. Alors, trouve-nous une bonne solution. Tu veux pas être gêné devant toute l'université? Ah, forcément, tu te tapes des biches. Transforme-toi en zombie. Maintenant, plus personne se moquera de tes collants déchirés. Quoi? Non mais, ce qui me choque le plus, c'est qu'au début de cette situation, ils disent qu'ils sont à l'université. Mais meuf, ça marche quand t'es à la maternelle, en fait, ce genre de comportement. Tu vas pas te dire, oh, mon collant est troué, je vais faire peur à tout le monde et me transformer en zombie! Putain, c'est n'importe quoi, merde! Encore l'université! Il est en cours et a fini par être un peu en nage. Oups, ah. Ces taches de sueur sont un peu gênantes. Je connais, meuf. Dis-moi ce que tu vas faire. Heureusement que je viens d'une famille de designers. Je vais juste couper les manches humides. Tu vas pas faire ça, mais t'es pas sérieuse. Et tu fais ça devant tout le monde. Et maintenant, j'ai un beau débardeur tout sec. Non mais c'est ridicule. Mais attends, tu vas pas faire ça devant tout le monde en fait. Ah, j'en veux déjà plus, putain, c'est pas possible. La meuf, y a du monde autour de toi, tu peux pas te mettre à découper aussi salement. En plus, je viens d'une famille de designers. Mon cul, ouais, t'as vu comment t'as découpé ça comme une grosse schlag? En vrai, quand ça t'arrive, c'est comme ça m'arrive, bah tu gardes tes bras si t'as pas... Voilà, si t'es un peu gêné de cette situation, tu gardes tes bras le long du corps, tu vois. Mais tu fais pas ça. Ah, regardez comment je transpire. Je vais couper tout ça. Non mais attends, parce que tout le monde va le voir dans la classe à ce moment-là. C'est ridicule. J'ai ruiné un birthday. Sans faire gaffe. Comment je vais gagner cette catastrophe? Oh mon dieu, c'est pas possible. Ok, vas-y. Surprise. Fais un vœu, Michel. Non mais c'est une blague. C'est totalement gênant en fait pour les... Tout le monde est gêné dans cette situation-là. Tout le monde, même lui, il sent pas bien là, tu vois. Oh putain, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Et lui, doit se dire... Je lui lécherai bien le visage. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est ridicule en fait. C'est totalement ridicule. Ce rire était très très gênant par contre, là c'était une très situation, on peut le remettre s'il vous plaît. Quel super teuf! Alors, soit ta pote a énormément d'humour et elle rigole, ou soit ta pote n'est plus ta pote et tu finis dans un congélateur, exactement, oui. Ah, c'est pas possible. Alors, stylo marche plus. Oh, une gauchère! C'est pas un stylo, c'est un sale calamar maléfique. Maintenant ma chemise est recouverte d'encre. Quoi? C'est pas grave! Un imprimé trop cool, mais plus d'encre. Mais... Maintenant, j'ai une chemise hyper stylée. Mais putain, vous avez pas fini d'être con! Même lui, regardez derrière, il applaudit, il est là. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est conne! Qu'est-ce qu'elle est conne! Waouh! Oh, et donc du coup, c'était ça l'astuce. Si t'as un petit peu d'encre, et bah tu ruines totalement ton... Autant faire plein de taches partout, quoi. C'est à toi de voir, en vrai, si tu kiffes ce style. Mais putain, qu'est-ce que t'as l'air con! Alors... Salut! J'aimerais juste une petite coupe pour enlever mes points de fourchus. Ok, on est chez le coiffeur. Ne jamais faire confiance à un coiffeur, on le sait. Ouah, les cheveux, meuf, je t'envie de ouf. Par contre, je fais pas du tout confiance du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va se retrouver à la boule à zéro, ça va être ça. C'est quoi ça? Où sont mes cheveux? Je voulais juste couper un peu les pointes. Non mais ça va là. Putain. Ce que la cliente veut, la cliente l'aura. Un bandana sur les yeux d'Adèle, et comme non, ça, une blague. On peut plus voir ses nouveaux cheveux. Non mais... Donc du coup pour eux, la solution à cette situation gênante où la séance chez le coiffeur se termine et tu n'es pas satisfait de ta coupe, c'est de te mettre un bandeau.
Et oui, c'est la solution la plus facile et donc du coup, bah, tu ne te regarderas plus jamais. Voilà, allez, super. Bonjour mademoiselle. Oula, pourquoi tu nous as mis une perruque là? Je suis à la bourre. Elle est grillée à 1000%. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oh non, mes cheveux sont pris dans la fermeture et ah, à qui ça n'est jamais arrivé ça? Quand t'as les cheveux genre ultra longs et tout, si ça m'est déjà arrivé. J'avoue que t'es un peu, j'avoue que t'es dans la merde. Non mais non. Mais tu ridicules. Beau, hein. Mais c'est pas grave si t'as les cheveux coincés dans ta fermeture. Non, mais c'est encore pire. Mais ils s'enfoncent dans leur situation en fait. Ils s'enfoncent dans la situation. Mais t'avais même. Oh mon dieu, t'as même pas d'astuce. T'es vraiment en mode. Ah bah tu passes pour une grosse conne. Oh mon dieu. Oula, pourquoi il a marché, il a marché sur un chat mort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait du bruit? Oh le mec, c'est un gros dégueulasse. Michel putain. Déteste quand le sol est sale. Bah tu nettoies. Vite, faut que je cache mes pas. Non mais il est débile ou quoi? Je vais les cacher sous des meubles. Mais il est très débile en fait. Ah ouais putain, non mais ils ont deux neurones quoi, c'est chaud. Ah ouais mais non mais là à ce stade on peut plus rien faire en fait. Débilité, puissance. Archie, je suis à la maison. Ah non mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Non mais sérieusement meuf. Ou quoi? Chérie, j'ai déplacé les meubles d'une manière. C'est vrai que le jeu d'acteur me fait toujours rire. Mais qu'est-ce qui s'est passé chérie? Oh, je sais pas, mon amour, assis-toi. Adèle va à un rendez-vous, okay. Mais son talon lui a joué un tour. Ah mince. Le talon, mais pourquoi les gens rigolent, sont si méchants? Ok, d'accord, très maintenant, bien. Maintenant, j'ai l'air élégante et ma longue traîne va cacher mon talon cassé. Mais comment tu fais pour marcher en fait avec un talon cassé? Ça doit être chaud. Et tu peux pas piquer une nappe comme ça, faites pas ça dans un restaurant, tu peux pas le faire. Et les gens, non, ça se passerait pas comme ça en fait. Ces gens-là, là, tu vois, ils te défonceraient la gueule, ok? Ça se passe pas comme ça. Waouh, mais quel talent, mademoiselle. Très bien. Michel a terminé son dernier tableau. Regarde, chérie, c'est ma plus belle création. T'aimes cette œuvre? Je vais bientôt la montrer à mes potes. Archie a tellement aimé ce tableau qu'il veut même plus le lâcher. Il fait un excellent compagnon. Un excellent partenaire de discussion. Et il est si encourageant. Archie passe tout son temps avec lui. Ouf, putain, j'essayais de trouver un sens, enfin, comment dire. À quel moment en fait? Ah, c'est parti trop loin, là ils sont partis sur un scénario digne de Steven Spielberg du Wish, mais bon, ça n'a pas de sens. Où est la conclusion? Où est la chute, s'il vous plaît? Oups, c'est flou. Bravo, magnifique! Waouh, quel concept original! C'est un boulot phénoménal! Ok, suivant. Alors? Un premier rendez-vous. Ah, c'est beau! Mais elle m'avait pas dit qu'elle était déjà enceinte! Non, mais attends, non, c'est même pas. Non. Ça là! Ça, c'est une deuxième personne, c'est pas. Elle est pas enceinte, c'est. Ça va pas au niveau des... Ça va pas, tu vois qu'il y a un décalage en fait, là il y a son ventre, vous voyez son ventre s'arrête là. Et je sais pas ce que c'est que ce truc à côté là, et en plus ça bouge mais cette partie là ne bouge pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah d'accord, on vient de comprendre la situation. C'est notre meuf en fait à côté, et lui regarde notre meuf, ok d'accord. Elle m'avait pas dit qu'elle était déjà enceinte, je suis pas prêt pour être papa. Non mais attends, mais laisse-lui le doute un attends, peu. Attends, tu vas où? Non mais honnêtement, elle peut rien, c'était un gros connard le mec, il a même pas laissé le temps de, voilà, d'expliquer ou quoi que ce soit. C'était un débile, ce n'est pas une grande perte. Alors. Au supermarché. Les jus de tomates, c'est un excellent choix. Après oui, ça se peut. Très bien, très bien. Oups. En fait, il est des casse-couilles, c'était sûr et certain. Oh putain, mais le jeu d'acteur! Pitié, tuez-moi, mais en fait, ce sont des gens qui n'ont pas réussi à être acteurs ou comment ça se passe? S'il vous plaît, la scène! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Non, je veux pas payer pour ce jus. Les chips sont tirés. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Une plaque de sang rouge s'est formée par terre. Mais il est complètement malade! Aidez-moi, on m'a tiré dessus. Ça fait mal. Non mais, arrêtez. Qui a fait ça? C'était un gang de tomates. Elles sont parties par là. Non mais là, alors là, c'est le pire. Je crois que c'est le pire du pire. Du pire du pire. Mais c'est la pire méthode pour se sortir d'une situation gênante. Se faire croire qu'on vient de te tirer dessus avec du jus de tomate. Putain mais mec, t'as pas fait SVT au moins dans ta vie. Putain, tu verrais la couleur de ton sang, ça pas la même couleur que du jus de tomate quoi. Pardon mon chausson. Voilà, je cherchais mon chausson et alors, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, j'aimerais qu'on lui décerne l'Oscar de la pire interprétation au monde. Merci. 2 hours later. Merci, je me sens déjà mieux. Il va se barrer comme un gros connard. Hein? Mais qu'est-ce que c'est du jus de tomate ça? Espèce de menteur. Mais ça me fait trop rire le mec. Attendez s'il vous plaît. Le mec, il l'avait pas vu qu'il avait disparu. Non, il revient s'installer comme un petit chien. Mais où est-ce qu'il est? C'est pas possible. Oh, c'est son bon chat. Oh là là. Alors, nouvelle situation. Gênante. Ah, cette satanée glace. Ah, ça c'était couru d'avance. Tu tiens beaucoup trop près. C'est la loose. Tu peux te rendre la mienne. S'il vous plaît, la tête du mec. En fait, ce qui me fait plus rire, c'est, les persos. Regardez là. C'est toi qui viens de faire ça? Le mec, il est blasé de la vie, quoi. Ah non, c'est un oiseau. Quoi?
quoi? Je déteste les pigeons. Ah mais t'es, par contre t'es une connasse quand même. Ouais non mais non, bouffe ta glace comme ça là, bouffe là parce que t'es vraiment une connasse quand même. Tu pourrais lui dire que c'est pas toi. Franchement, faire largement que ce soit un petit bout de glace. En plus Vanille c'est bon, ça t'attache pas. Qu'un oiseau qui m'a chié dessus hein. Eh bien merci beaucoup, une fois de plus vous m'avez bien fait rire. Vous allez toujours au-delà de l'imagination pour trouver des situations totalement et totalement absurdes et inenvisageables, inimaginables. J'espère comme moi que vous avez bien bien rigolé. Peut-être qu'un jour je serai amenée à me servir l'une d'elles lors d'une situation gênante, une solution cool, intéressante, jus de tomate peut-être. Bref, portez-vous bien, salut!